Bonjour, vous avez bien vu le titre de cette vidéo, Les provocateurs. Et pourtant, c'est la première fois que l'OTAN et son principal mentor n'a pas accusé ouvertement la Russie. Et ne parlons pas des commentateurs de télévision. Là, d'un seul coup, ils sont extrêmement discrets. Extrêmement prudents. Même la Pologne fait profil bas. Alors, ça n'a pas été toujours le cas, il y a quelques heures. Mais là, d'un seul coup, tout se calme. C'est l'OTAN qui se trouve défié dans cette affaire, Vincent. Oui, les dirigeants occidentaux sont à Bali, ils ont réagi avec une extrême prudence et halte au feu, on dirait vraiment qu'il y a un loup. Joe Biden promet une enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Le commissaire Biden juge improbable que le missile russe ait été tiré de Russie. À vrai dire, il y a une telle concentration de moyens de renseignement, notamment aériens, que personne ne peut lancer un pétard dans la zone sans se faire remarquer. Et les missiles russes sont un peu comme les Kalachnikov en banlieue, on en trouve partout, notamment en Biélorussie ou en Ukraine, évidemment. Et c'est pour ça que les conseillers d'Emmanuel Macron, la nuit dernière, soulignaient qu'identifier le missile ne veut pas dire identifier le tireur. Bref, les Occidentaux sont debout sur les freins. Ils veulent savoir d'où le tir est parti, peut-être le savent-ils déjà, si le tir a été délibéré, si l'engin s'est égaré, s'il a été dévié par la défense ukrainienne, si c'est la défense ukrainienne tout simplement. En tout cas, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En tout cas, pour la première fois depuis la création de l'Alliance Atlantique, un engin russe est tombé sur le sol de l'un des pays de l'OTAN. Oui, parce que pendant 50 ans, l'organisation n'a attendu que cela. Elle s'est entraînée à résister à l'armée rouge. Quand elle a perdu son ennemi, elle a trouvé une nouvelle raison d'être en Yougoslavie, elle a fait enfin la guerre au Kosovo, elle y a pris goût, elle a continué en Afghanistan, en Irak, en Méditerranée. Mais bon, l'Alliance gardait l'œil sur le Kremlin. Et même si un tracteur et deux paysans polonais ne font pas un objectif militaire, ça fait 70 ans que l'OTAN se prépare à défendre chaque centimètre carré de son territoire contre les empiétements de Moscou. Chaque centimètre carré, c'est l'expression de Joe Biden, que répètent encore les dirigeants polonais qui ont l'habitude que l'ours russe leur marche sur les pieds, leur arrache le cœur, déplace les frontières, liquide leurs élites. Alors la Pologne sait que le pire peut arriver quand on se retrouve seul. Et hier soir, à Varsovie, c'était le branle-bas de combat, réunion de crise, état d'alerte, etc. Et puis le président Duda a parlé d'incidents isolés, d'enquêtes à mener. Plus question d'activer l'article 4 de la charte atlantique qui prévoit la réunion et la consultation de tous les membres de l'organisation, c'est-à-dire la mobilisation générale des diplomates, l'article 5 étant elle la mobilisation des militaires, l'union sacrée en cas d'agression. On n'en est vraiment pas là. Alors voyons maintenant ce que dit la Russie, elle parle de provocation et dénonce une escalade. Alors elle prétend n'avoir frappé aucun objectif près de la frontière, on n'est pas obligé de la croire, elle fait la guerre, c'est-à-dire des erreurs et des mensonges. En tout cas, elle ne revendique pas, elle n'assume pas, elle ne nargue pas la Pologne en lui disant c'est bien fait par exemple. En réalité, il y a une évidence politique, c'est que ce bombardement tombe mal. On peut comprendre qu'après la défaite de Kherson, le Kremlin est tenu à montrer que sa capacité de nuisance restait intacte en lançant hier une pluie de missiles sur les villes ukrainiennes. C'est criminel, mais c'était prévisible. C'est bien dans les manières de Vladimir Poutine de s'affirmer ainsi, alors qu'il est absent du sommet du G20, une façon de dire que rien ne l'intimide, mais étendre la guerre à l'Europe voisine. Frapper un pays de l'OTAN, c'est une toute autre affaire. C'est comme jeter un parpaing sur le cocktail donné à Bali, à ses amis, les Chinois, les Indiens, les BRICS, les non-alignés. En tout cas, au G20, personne non plus ne souhaite l'escalade. C'est même le contraire. On cherche la sortie. Les Occidentaux rechignent à livrer de l'artillerie plus puissante aux Ukrainiens qui n'hésiteraient pas à bombarder la Crimée. La Troisième Guerre mondiale ne fait pas peur à Volodymyr Zelensky. Il l'appelle de ses vœux. Les Américains refusent de s'y laisser entraîner. Ils ont une autre priorité, c'est le duel avec Pékin. Alors, dans l'affaire ukrainienne, ils ont renoué le dialogue avec le Kremlin. Le chef de la CIA et son homologue russe se sont vus discrètement ce week-end en Turquie. Après le sabotage des gazoducs en septembre, vous vous souvenez, c'est la deuxième fois que la guerre sort d'Ukraine. Le bombardement d'une ferme en Pologne ressemble davantage à une bavure, mais c'est quand même un deuxième avertissement. Il faudrait que la guerre reste et se termine en Ukraine. Signature Vincent Hervouet, merci.
La Pologne a convoqué ce mardi soir une réunion d'urgence du Conseil national de la sécurité après des informations selon lesquelles deux missiles ou restes de missiles russes auraient frappé la ville de Przemodów à la frontière avec l'Ukraine. Selon la presse locale, une grange a été touchée et au moins deux personnes ont été tuées. Le ministère américain de la Défense dit enquêter sur ces informations. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que nous n'avons aucune information pour corroborer ces rapports. Nous enquêtons davantage et nous ne manquerons pas de vous fournir une mise à jour. L'OTAN, dont la Pologne est membre, dit également examiner ces informations. Selon l'article 5 de l'Alliance, toute attaque contre l'un des pays membres est considérée comme une attaque contre tous. Et tous les membres de l'OTAN ont l'obligation de défendre le pays attaqué. De son côté, Moscou affirme que les images des débris publiés n'ont aucun rapport avec des armes russes et qualifie ces informations de provocation. Alors, nous parlions de commentateurs. Écoutez comment ils analysent aujourd'hui la situation ukrainienne. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Votre invité, Sonia Mabrouk, est un spécialiste du monde orthodoxe et du monde russe. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour. Prudence des Occidentaux sur l'origine du tir du missile en Pologne, alors que Zelensky a pointé la Russie et a appelé à agir. Moscou dénonce une provocation. Avant de parler de l'origine de ce tir, pour l'historien que vous êtes, comment vous qualifiez ce moment de l'histoire de la guerre ? Écoutez, vous vous souvenez, 1914, un assassinat rend toutes les grandes nations tels des somnambules qui vont de manière hallucinée vers la guerre, parce que cet événement oblige d'un coup les coalitions à se former, chacun doit prendre parti, et puis on va au front. Ça, c'est pour la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle commence en Pologne. Donc, évidemment, nous avons un peu tous ces souvenirs, toutes ces mémoires, et en fait, ce que ça nous montre, c'est que effectivement, un conflit généralisé est à la merci, en fait, d'un événement impondérable, lequel n'est pas forcément très significatif de la volonté de s'engager, mais précipite, en fait, l'affrontement. On comprend pourquoi toutes les chancelleries occidentales appellent à la prudence, mais pas le président ukrainien. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Malgré tout, il y a une hypothèse qui est davantage aujourd'hui évoquée. C'est celle d'un missile de fabrication russe, mais un missile antimissile, malgré tout, ukrainien. Comment cela fait-il que le président ukrainien, malgré tout, pousse ainsi à agir ? Alors écoutez, d'abord d'une part, oui, il y a cette thèse, et puis il y a la thèse d'un drone iranien qui aurait perdu sa route. Dans tous les cas, ce qui semble assez évident, c'est que si Vladimir Poutine avait voulu étendre le conflit, il n'aurait pas procédé en prenant pour cible un tracteur et de pauvres paysans qui ont trouvé la mort dans ce dégât manifestement collatéral. Dans les deux cas, il s'agit d'un dégât collatéral, puisque les Ukrainiens, eux aussi, n'avaient aucun intérêt à étendre le conflit. Mais Zelensky, il est dans son rôle, n'est-ce pas ? Zelensky, ça fait maintenant 8 mois qu'il essaie de nous expliquer que ce conflit, c'est pas un conflit entre Poutine et lui, c'est un conflit qui concerne toute l'Europe. Nous sommes sur la ligne de front, demain ça sera la Pologne, les Pays-Baltes, la Hongrie. Et effectivement, les Pays-Baltes, la Hongrie, la Pologne, et d'ailleurs on voit que la Hongrie, n'est-ce pas, se rapproche d'un coup de la Pologne alors que ça n'allait plus du tout entre les deux pays, bien que ce soit deux régimes populistes, hein, parce qu'effectivement c'était le différentiel russe. Mm-hmm. Mais là, on reprend les positions, en fait, de 1989. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est au moment de la dislocation du bloc de l'Est. Ces pays sont entrés dans l'Europe pour entrer dans l'OTAN. Ces pays sont entrés dans l'Europe pour entrer dans l'OTAN afin d'avoir une forme de sécurité face à cette Russie qui a été pour eux l'URSS, l'Union soviétique, et avant qui a été l'Empire tsariste. Sécurité de la part de qui ? Par qui est-elle assurée aujourd'hui ? Par les Américains. Par les Américains. Par les Américains, parce que l'OTAN, c'est les Américains. C'est pas... Donc, de ce point de vue-là, on a eu un malentendu originel dans l'intégration de ces pays, c'est que nous, on pensait qu'ils avaient une aspiration à rejoindre, on va dire, le monde des valeurs libérales, tandis que eux, ils étaient dans un problème de reconstruction fortement identitaire, après, finalement, l'effacement de leur identité qu'avait causé le communisme. Et c'est pour ça que, depuis, on voit bien qu'à Bruxelles, il y a sans arrêt des couacs entre ces deux parties de l'Europe. Là, comme c'est la guerre, ces couacs deviennent quasiment une déchirure. C'est vraiment deux conceptions qui s'affrontent. Et cet incident, évidemment, permet à
à Varsovie, à Budapest, à Vilnius, à Riga et bien sûr à Kiev de dire « Mais vous voyez bien que vous avez été naïf, je ne crois pas qu'on l'ait été, que vous avez été un peu des idiots utiles, vous les Français, les Allemands, etc. » Et puis c'est une manière, en fait, cet incident, il n'est pas fait pour changer le cours de la guerre, mais il est fait pour changer l'évolution de la paix. Ces pays nous disent « Vous alliez peut-être faire une paix facile sur notre dos, vous devez compter avec nous, nous ne voulons pas d'une paix ou de négociation à nos dépens, et nous, nous voulons que la Russie de Poutine disparaisse, soit gommée. » On peut comprendre. On a dit en 1989, miracle, cet empire qui a été le plus grand empire du monde s'est défait sans que ne coule une goutte de sang. Regardez, les peuples ont retrouvé leur espace, leur liberté, leur territoire, leur indépendance. Peut-être que nous vivons en retard ce que nous n'avons pas vécu à ce moment-là. Rappelez-vous l'implosion de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ? Ça a été un massacre, c'était dans les années 1990, immédiatement après d'ailleurs la chute du mur. Donc nous vivons en retardement, en quelque sorte, cette implosion, mais nous craignons une deuxième implosion consécutive à ce conflit. Regardez, les républiques musulmanes de la Fédération de Russie commencent à expliquer que ça n'est pas leur guerre. Pour eux, c'est une guerre entre ce qu'ils appellent russes. C'est pas russe au sens ethnique ou au sens citoyen, c'est entre slaves. Entre slaves, tous chrétiens d'ailleurs. On veut nous mobiliser, dit-on, au Daghestan, etc. Mais c'est pas notre guerre. Regardez les républiques d'Asie centrale, qui sont vraiment dans un état qu'on a nommé chaotique, quasiment à se faire la guerre entre elles, avec des débats de frontières, en fait des débats de partage de richesses qui sont énormes. Et ces républiques, elles sont turcophones, donc la Turquie est là. Regardez la Chine qui lorgne sur la Sibérie comme espace vital, n'est-ce pas ? Donc, allons-nous ouvrir la boîte de Pandore ? Alors, le mot de Zelensky hier, c'est tout de suite, après il s'est rétracté, c'est une nouvelle escalade. Il répondait en fait à qui ? À Joe Biden et à Emmanuel Macron qui disaient il faut rentrer désormais dans un processus de désescalade. Voilà, mais il s'est rétracté probablement sous la pression des Américains et du président qui a dit non, on ne va pas mettre le doigt dans cet engrenage mais aujourd'hui. C'est assez simple. Alors regardez d'ailleurs, je veux dire, même les Polonais probablement ont été invités à cela, ils invoquent l'article 4 de la charte de l'OTAN et pas l'article 5. Alors en deux mots, l'article 5 c'est tout pays qui est agressé, un pays qui se sent menacé, peut compter sur la défense collective immédiate, la riposte, les représailles. L'article 4, il dit un pays qui se sent menacé appelle les autres pays pour qu'il y ait une consultation générale. C'est là où on en est aujourd'hui. Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le G20 va devoir se prononcer. Mais le G20, vous avez des puissances... Avec un communiqué final qui indiquera... Qu'est-ce qu'il peut indiquer qui indiquera que tout ça est bien regrettable, mais qu'il ne faut pas aller plus loin. D'autant plus que vous avez la Chine qui n'a pas condamné... vous avez l'Inde qui n'a pas condamné l'agression russe, l'agression du Kremlin... Donc, et puis après, vous avez l'OTAN. Mais l'OTAN, nous, on voit ça comme un club totalement européen, occidental, américano-européen. Non, il y a un pays qui pèse lourd, c'est la deuxième puissance de l'OTAN en termes au moins de troupes d'infanterie. C'est la Turquie. Et voyez le jeu que joue la Turquie depuis le début de ce conflit, n'est-ce pas ? C'est un jeu d'une ambiguïté totale. La Turquie s'impose, en fait, comme une sorte d'intermédiaire, mais en même temps, la Turquie arme les Ukrainiens. Entre-temps, la Turquie avait acheté des armes à la Russie, ce qui était incompatible. On en parle très peu, de ce rôle double et trouble de la Turquie, qui est quand même un élément central de l'OTAN. On a l'impression que l'OTAN... Ce n'est pas qu'une impression, ce ne sont que les Occidentaux et surtout les Américains, mais il y a aussi cette pression turque. Oui, il y a une question intéressante. C'est pourquoi Russes et Ukrainiens préfèrent aller parler à Ankara plutôt qu'à Bruxelles ? Vous avez la réponse quand vous posez la question. C'est que, d'abord, il y a eu des tas de guerres russo-ottomanes entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, il y en a eu une douzaine, mais à force de faire la guerre, on se connaît bien. Il y a des intérêts communs. Il y a le Caucase derrière avec l'Arménie, ne l'oublions pas, et la Géorgie, n'est-ce pas ? Et donc ça aussi, c'est l'Arménie, la Géorgie, mais ce sont aussi les routes de l'énergie. Et puis il y a tout simplement le fait, je vais vous dire, qu'ils partagent la même culture. Culture impériale, culture de l'Est, culture de pays où le facteur religieux compte beaucoup, et culture aussi où on peut se prendre à la gorge autour de la table sans que ça choque. Parce que
ça fait partie des mœurs. Bon, le G20 touche à sa fin. Ce club très privé est de plus en plus divisé, la Chine et l'Inde ne voulant absolument pas condamner la Russie. La guerre en Ukraine aura marqué le G20 de Bali qui touche à sa fin ce mercredi. Selon le communiqué final du sommet, la plupart des membres condamnent fermement la guerre et tous se sont accordés sur le fait que ce conflit avait des conséquences sur l'économie mondiale. Avant même la fin de ce rendez-vous des puissances mondiales, Sergueï Lavrov avait dénoncé un projet de communiqué politisé par les pays occidentaux. Le chef de la diplomatie russe qui représentait Vladimir Poutine a quitté l'Indonésie mardi soir. La position de la Chine était scrutée lors de ce sommet, Xi Jinping ayant toujours refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine par son allié russe. Pékin a toutefois lancé quelques critiques voilées à l'égard de Moscou lors de ce sommet en dénonçant l'instrumentalisation de l'approvisionnement alimentaire et de l'énergie. Tous les pays se sont toutefois accordés sur la nécessité de ne pas recourir aux armes nucléaires. Les dirigeants des grandes puissances se sont réunis en urgence cette nuit à la demande notamment d'Emmanuel Macron. Oui, une réunion organisée à la hâte dans une salle de réception de l'hôtel où loge Joe Biden. Le président américain avait convié à l'aube les dirigeants membres du G7 et de l'OTAN autour de la table. Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le canadien Justin Trudeau, le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak ou encore le premier ministre japonais Fumio Kishida. Cette réunion a duré près de 45 minutes. À l'issue, Joe Biden a pris la parole devant la presse. Il a notamment expliqué que Washington et ses alliés allaient déterminer ce qu'il s'est exactement passé concernant cette explosion, et s'il s'agit pour la Pologne d'un projectile de fabrication russe aux yeux de la Maison Blanche à ce stade, et c'est Joe Biden qui le dit, il est improbable que le missile ait été lancé depuis la Russie, il pourrait s'agir d'un missile antimissile ukrainien selon certaines sources américaines. Alors côté français, l'heure est à la plus grande prudence, nous aurons notre propre estimation en temps voulu, explique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il faut regarder les cartes du ciel et les relevés satellites, c'est une affaire sur laquelle on ne peut pas se tromper tant les risques d'escalade sont importants, insiste l'Elysée. Emmanuel Macron s'est entretenu tout à l'heure avec le Premier ministre polonais. Il lui a redit que la France se tenait prête à appuyer les enquêtes en cours. Alors l'Europe dans tout cela, est-elle condamnée à mourir ? Jean-Baptiste Noué, bonjour. Bonjour. Alors le déclin d'un monde, c'est votre côté Schopenhauer, ça, c'est ça, ça y est. Est-ce que c'est la fin des haricots européens, pour être plus plutôt précis, européens ou occidentaux d'ailleurs vous. Alors, est-ce que c'est effectivement la fin de, je ne dirais pas la fin de l'Occident, peut-être pas, n'exagérons pas, mais quand même, la fin d'un monde, comme vous disiez, ça veut dire la fin de peut-être d'un monde qu'on considérait quand même. C'est la fin de l'illusion européenne. Les Européens ont cru pendant 2 siècles que les autres étaient identiques à eux. C'est-à-dire que les autres cultures, les autres peuples étaient des sortes de clones des Européens. Et donc on pouvait leur imposer nos valeurs, notre système politique, nos systèmes économiques. Et puis on s'est réveillé avec la gueule de bois en se rendant compte que les autres étaient différents. Et non seulement ils étaient différents, mais ils ne voulaient pas être comme nous. Et qu'ils voulaient être fidèles à leur culture, à leur histoire, à leur identité. Et l'Europe qui a vécu depuis 70 ans dans le mythe de la paix, avec la guerre en Ukraine, s'est rendu compte que la guerre, c'était une réalité. Ce mythe-là a été dramatique pour l'Europe. Cette idée que depuis 1945, nous sommes en paix. C'est complètement faux. Il y a eu de nombreuses guerres. Pourtant, il y a eu des guerres sur le continent européen, dans le monde et en Europe. La guerre en Yougoslavie, par exemple, la guerre entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et on a voulu se masquer cette réalité de la guerre. C'est une des vertus de la guerre en Ukraine que d'avoir brisé ce mythe. Mais enfin, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que on aurait pu s'en apercevoir un peu plus tôt, le 11 septembre 2001 par exemple, ou même avant, la fin de l'URSS, ou même avant, enfin, il y a eu, alors c'était pas en Europe certes, mais enfin, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, je ne parle pas du Yémen, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient et compagnie, enfin, les signes avant-coureurs n'étaient pas des signes à basse température. Non, mais vous avez parlé de Schopenhauer, pour voir, il faut vouloir voir. Si on veut être aveugle, on ne voit pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Une personne, un Français, ambassadeur, qui travaille dans une grande
grande ambassade française, qui a expliqué il y a encore 3 semaines lors d'un colloque international que, dialoguant avec l'ambassadeur de Jordanie, il avait été sidéré de voir que pour l'ambassadeur de Jordanie, le Coran était supérieur à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, ça avait... Il était sidéré. Sidéré. Histoire authentique, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ça avait bouleversé sa vision des choses. Et ben oui, un Jordanien, culture musulmane, considère le Coran comme un texte important et plus important que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand vous vivez dans une telle illusion, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc on s'est illusionné sur la guerre en Irak, sur la Libye, sur la Syrie. Et ça aboutit à des drames. Vous dites qu'avant la guerre d'Ukraine, c'était la Belle au bois dormant. C'était, oui, la Belle au bois dormant ou les sept nains. C'était les sept nains au milieu d'un monde peuplé de gens de taille, de géants. Et ça, on voulait pas le voir. Et on voulait pas le voir parce que ça bouleverse toute notre conception du monde et ça modifie aussi notre manière d'être par rapport au monde. C'est beau de se dire qu'on peut faire la guerre pour apporter la démocratie, qu'on peut faire la guerre pour pacifier, et qu'on a le rôle du prince charmant et de la baguette magique. Mais ça ne marche plus. Et on se rend compte qu'on a des populations qui veulent être modernes, donc elles veulent avoir les dernières technologies, elles veulent avoir des baskets Nike, mais elles ne veulent pas être américanisées. Donc elles veulent la modernité, mais sans l'occidentalisation. Alors, de quand date, vous en parlez aussi dans votre livre « Ce déclin d'un monde », cette espèce de suggestion ou d'assujettissement, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, de l'Europe aux États-Unis, cette espèce d'arrimage au vaisseau amiral? Alors, ça date des années 1920-1930, ne serait-ce que quand on a voulu régler la question du paiement que l'Allemagne devait à la France, on s'en est remis aux États-Unis pour régler le différend. Vous parlez de 14-18, ça? Oui, c'est ça. Juste après 14-18, puisque l'Allemagne nous devait des réparations au titre du congrès de Versailles, et l'Allemagne ne remboursant pas, on s'est mis dans la roue des Américains pour leur demander de taper sur les doigts des Allemands pour qu'ils nous remboursent. Donc ça, c'était le début. Et ça n'a fait qu'aller croissant. Et évidemment, la Deuxième Guerre mondiale n'a fait qu'entériner, puisque sans l'aide américaine, on aurait eu beaucoup de mal à vaincre les nazis. C'est clair. Sans d'ailleurs l'aide russe aussi. Et l'aide russe aussi. Ça a aidé un peu. Enfin, c'est une autre histoire. Ces guerres, Jean-Baptiste Noé, il y a des guerres en plusieurs domaines. La guerre économique, la guerre militaire, en tout cas, on la voit déjà. Vous citez la guerre du droit, la guerre du soft power. Alors, comment ça se décline et comment, en fait, le socle occidental, enfin le monde dit occidental, a été au fur et à mesure cisaillé? Alors d'abord, il a été essayé par lui-même. Je prends le cas de la France. On a pris toute une série de lois absurdes, dont on savait très bien que ça allait aboutir à des conséquences graves. Par exemple? Par exemple, l'arrêt de Superphénix en 1997, que Lionel Jospin a fait pour grappiller 2% des voix en 2002, des écologistes. Et là, on a détruit une structure nucléaire extrêmement prometteuse, qui fait qu'aujourd'hui, on a les pénuries de l'hiver. Mais ces pénuries, elles sont pas dues à la guerre en Ukraine. Elles sont dues à 20 ans de destruction, de sabotage de l'industrie nucléaire, fait par les différents gouvernements français, et fait aussi par les Allemands qui ont tout fait pour nous savonner la planche industrielle. Donc c'est d'abord un problème interne, parce que souvent on accuse les autres, on dit « Ah, c'est les Chinois, c'est les Américains », oui, ça c'est pour camoufler nos propres errements. En réalité, c'est d'abord un problème interne, c'est comme quand on a une fiscalité délirante, eh bien les entreprises s'en vont, ou elles se créent pas. Donc c'est pas la peine d'accuser les Suisses. Ou elles se délocalisent. Ou elles délocalisent. Vous avez les célèbres macarons La Durée, qui se sont délocalisés en Suisse. La Suisse, c'est pas le Vietnam, c'est pas la Chine en termes de paiement des ouvriers. Donc s'ils ont été en Suisse, c'est que c'est plus rentable pour eux d'être là-bas qu'en France. Donc c'est d'abord un problème interne. Et ensuite, on s'est laissé soumettre aussi à des puissances internationales. Alors, en Europe, c'est l'Allemagne qui a joué un rôle néfaste, enfin qui a joué ses intérêts à elle, mais qui n'étaient pas nos intérêts à nous. Que pendant des décennies, on l'a célébré, le couple franco-allemand. Enfin, l'union magnifique de ce couple idéal. Le couple franco-allemand n'existait qu'à Paris. Quand De Gaulle signe un traité de paix avec Adenauer, c'est très beau, c'est deux combattants de la Première et Deuxième Guerre mondiale. C'est dire, on ne va plus connaître les guerres qu'on a connues. Donc ça, c'est admirable, et c'est une très bonne chose. Mais ce n'était pas un couple, c'était un traité d'alliance, un traité d'amitié entre deux pays qui avaient été antagonistes. Et ensuite, on est rentré dans cette idée de couple qui est en fait une suggestion à l'Allemagne avec une fascination d'un grand nombre d'élites pour l'Allemagne. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises françaises font quasiment autant d'échanges économiques avec l'Italie qu'avec l'Allemagne. Ça décline un peu avec l'Allemagne et ça augmente avec l'Italie. C'est-à-dire qu'en termes d'économique, si les courbes se poursuivent, en quelques années, on sera à égalité avec l'Italie qu'avec l'Allemagne.
L'Italie... Mais avec Meloni, ça va pas très bien en ce moment, pour d'autres raisons. Oui, ça c'est sujet politique, ça, ouais. Ça changera d'ici 6 mois. L'économie, ça dure. Et donc on s'est soumis à l'Allemagne, dont on découvre que l'Allemagne préfère acheter des F-35 américains plutôt que des avions de chasse d'assaut, qu'elle préfère acheter des Boeing plutôt que des Airbus. Donc sur tous les points, on se fait avoir par l'Allemagne, mais on se fait cocufier volontairement. Et ça ne peut que continuer. Ça ne peut que continuer, d'autant que les gouvernants français restent sur cette idée du couple, pour une raison que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi c'était absolument à avoir ce couple-là, alors qu'on a vu Olaf Scholz, sitôt élu, il a validé le rachat du port de Hambourg par des Chinois, qui est quand même Hambourg le principal port en Europe, et il a été faire quasiment allégeance à l'empereur Xi Jinping pour montrer tout le bien qu'il pensait de ce nouveau régime. Et on l'a vu comment l'empereur Xi Jinping, comme vous dites, l'a traité, c'était très intéressant. Aujourd'hui, vous avez vu les BRICS, l'Algérie même a demandé à BRICS, le Maroc fait des centrales nucléaires avec la Russie, etc., etc. Il y a quoi? Il y a eu, c'est un désamour, une méfiance, une dissociation de tous ces pays vis-à-vis de l'Europe et même des États-Unis, on le voit aujourd'hui. Alors c'est une prudence de ces pays qui ont compris qu'il fallait pas avoir un seul fournisseur. Si on est dépendant des Européens, si un jour les Européens décident de mettre des sanctions économiques, vous êtes complètement mort. Donc c'est une prudence du Maroc ou de l'Algérie. On l'a vu avec la Russie. Oui. Voilà, disant il vaut mieux avoir différents fournisseurs, comme ça, s'il y en a un qui a, ça se passe mal, on a les autres. Donc ça, c'est un élément de prudence de leur part. Sur le sujet nucléaire, comme on a démantelé notre industrie nucléaire volontairement, aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire des centrales nucléaires. D'ailleurs, les Polonais ont fini un contrat avec les Allemands, avec les Américains, pardon, et non pas avec EDF. Donc ça, c'est aussi notre responsabilité, parce que là où les entreprises françaises ont voulu faire des centrales, ils ont eu beaucoup de mal. Et aujourd'hui, on a un mal fou à recruter des ingénieurs français pour travailler dans l'industrie navale ou dans l'industrie nucléaire. Ils préfèrent faire des éoliennes ou des panneaux solaires. Mais ça s'apparente à un suicide, ça, Jean-Baptiste Noël. C'est presque un suicide collectif. C'est beaucoup. Oui. Un harakiri. C'est exactement. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est vraiment assez délirant. Et alors, est-ce que ça se sent aussi du point de vue symbolique? Mais vous avez raison. D'ailleurs, en géopolitique, on accorde une grande importance au symbole. C'est pour ça que je lui consacre aussi un chapitre dans mon livre, parce que ça dit énormément. Le choix des mots, le choix des même les tenues vestimentaires dit beaucoup. Ou la question du cinéma. Et ça se voit d'un point de vue symbolique sur le fait qu'un grand nombre de pays veulent avoir les mêmes modes de vie que les Européens. Donc, il y a quand même une grande attirance pour les modes de vie européens. D'ailleurs, les migrants vont d'Afrique en Europe, c'est pas encore l'inverse. C'est clair. Mais ils veulent avoir leur propre hamburger ou leur propre basket. Donc c'est vivre comme des Européens, mais avec des choses à nous, qu'on a créées nous-mêmes. Et là, il y a cette volonté d'appropriation. Et puis, je vois aussi cette question des symboles à travers la résurgence en Afrique du vaudou, qui prend une part de plus en plus importante, alors qui est manifeste en Afrique et avec l'immigration africaine qui arrive en Europe, et en Amérique latine avec ce qu'on appelle l'indigénisme. Alors je donne un exemple qui est à la fois drôle et effrayant. Ça se passe lors de l'épidémie du Covid. Vous avez le ministre bolivien de la Santé et des Religions Traditionnelles, c'est son titre complet. Santé et Religions Traditionnelles, voilà, en même temps. Qui a fait un sacrifice à un lama pour chasser le Covid. Donc ils ont, comme faisaient les Incas, ils ont pris un lama qu'ils ont desséché et il l'a mis sur un bûcher et il l'a brûlé. Donc vous imaginez Olivier Véran faire un sacrifice à un lama pour chasser le Covid, ça serait bizarre. Oui, c'est pas dans les coutumes européennes. Voilà, c'est pas encore dans les coutumes. Mais... Et à votre avis, alors, justement, on va en parler aussi en seconde partie, mais c'est sur une pente irréversible ou pas, à votre avis, Jean-Baptiste Noé? Non, rien n'est jamais irréversible. D'ailleurs, mon livre, en dépit de tout ce que j'ai dit, mon livre se veut tout à fait optimiste, parce que je pense que cette fin de l'universalisme, c'est une excellente chose. C'est-à-dire que ça nous a conduit à la guerre, ça nous a conduit à ignorer les autres et leurs spécificités. Donc le fait que ce tabou se brise sur la pierre de la réalité est quelque chose de très positif. Et ensuite, il ne faut pas attendre la venue d'un sauveur. Ça n'existe pas. Enfin, du moins dans le domaine politique. Ouais, c'est à chaque personne, dans les libertés qui sont les siennes, de reprendre ces choses en main, par la lecture, par la défense de sa culture, de son histoire. Donc, n'attendons pas d'un président ou d'un gouvernement qui nous sauve. Abattons le veau d'or de l'État et retrouvons, de façon personnelle et individuelle, et par les amitiés qu'on peut tisser, le sens de ce que l'on est. Et c'est comme ça qu'on viendra à bout de toutes les horreurs que vous avez évoquées. Alors ça y est, ils ont allumé la chandelle. Ah, moi j'attendais ce moment depuis presque 50 ans.
Vous voyez, l'homme est capable du pire comme du meilleur. Et là, évidemment, c'est le meilleur. Nous allons donner enfin à nos jeunes des aventures absolument extraordinaires. Ce sera de nouveau Christophe Colomb. Espoir, espoir. And here we go. La fusée la plus puissante du monde a décollé ce mercredi depuis la Floride. Four stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. Au cours de cette mission baptisée Artemis 1, la capsule, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune, mais s'aventurera jusqu'à 64 000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable. Ce programme d'une durée de 25 jours a pour but de vérifier que cette nouvelle capsule spatiale est sûre pour transporter dans les prochaines années un équipage sur la Lune, 50 ans après le dernier vol du programme Apollo. Un retour sur Terre, malheureusement, à l'Assemblée nationale avec Monsieur Dupont-Aignan. La politique de l'autruche fait des ravages partout. Et en premier lieu, à l'Assemblée nationale cet après-midi. Vous savez, tous les mardis, il y a la séance des questions au gouvernement. Vous voyez très bien, en écoutant les réponses des ministres et en voyant les questions posées, l'état du pays. L'état de lâcheté. Et je vais vous prendre un exemple. Cet après-midi, Madame Genevard, députée LR, qui n'est pas une des plus critiques à l'égard du gouvernement, qui pourrait être un peu suspectée parfois d'être un peu gentille avec les macronistes, trop gentille à mon goût. Mais qu'importe. Elle a posé une question très précise sur la pression des islamistes qui envoient leurs enfants à l'école pour violer la loi de 2004 sur l'interdiction de tout signe religieux. Et notamment cette affaire à Montauban de cette jeune fille en abaya, en robe longue, qui est toujours à la limite de la légalité et qui veut ainsi faire pression et qui en est arrivé à menacer sa professeure qui lui demandait de retirer ce signe islamique. Eh bien, Madame Genevard a posé une question claire à la Première ministre, Madame Borne, en lui demandant quelle réponse politique elle allait donner. Est-ce qu'elle donnait instruction à tous les enseignants de France, à tous les chefs d'établissement, de dire stop, stop? Eh bien, Elisabeth Borne, croyez-le, n'a pas voulu répondre. Et pire que ça, elle a envoyé son ministre de l'Éducation, l'inénarrable ministre, qui a constaté le phénomène, a reconnu qu'il y avait de plus en plus d'atteintes à la laïcité, c'est-à-dire de violations de la loi de 2004 qui interdit à l'école publique le port de signes religieux, et qu'il avait demandé, êtes-vous assis, dans une circulaire d'agir, accrochez-vous, avec discernement. Quand un ministre de la République, de l'Éducation nationale, dit aux enseignants et aux chefs d'établissement d'agir avec discernement, cela veut dire en fait qu'il ne les soutient pas. Ça ne sert à rien d'aller commémorer l'horrible tragédie de cet enseignant égorgé, Samuel Paty, si au même moment, dans tous les lycées de France, dans tous les collèges de France, le ministre ne soutient pas les enseignants pour défendre la laïcité à la française. C'est une affaire extrêmement grave. Et ce soir, on a compris que Madame Borne était bien dans la ligne de Lionel Jospin qui, vous souvenez-vous, à Creil, à l'époque, il y a bien longtemps, avait refusé d'interdire le voile, avait désavoué le proviseur de ce collège, de ce lycée de Creil, et avait ainsi permis la mainmise des islamistes sur l'école française. Et il avait fallu 2004 et la loi de 2004 pour revenir à une fermeté républicaine. Eh bien, à nouveau, nous avons un gouvernement qui fait la politique de l'autruche, et c'est très grave parce que cela met en danger nos enseignants, dont cette enseignante qui est obligée de se cacher, qui est menacée, parce que des gamines
violent la loi républicaine et sont l'instrument d'un islamisme rampant, très bien décrit dans le livre « Soumission » de Houellebecq. Eh bien, cet après-midi, j'avais l'impression d'être dans le film, dans le livre Houellebecq, « Soumission », la lâcheté à l'Assemblée nationale, la lâcheté du gouvernement. C'est une honte absolue et je demande aux enseignants de tenir, de faire appliquer la loi de 2004, car l'école doit être préservée de cette pression islamiste. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne, n'oubliez pas le pouce, et puis partagez. Au revoir.